Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des conversations. Donc je rappelle encore une fois, bien sûr, ce que vous trompez pas mal, mais bon, c'est normal, on peut confondre. Et bien c'est une vidéo dans laquelle je vais montrer uniquement des screens de messages que vous m'avez envoyés sur mon mail message.msper@gmail.com. C'est écrit dans la description si vous voulez m'envoyer. Donc je rappelle, pour les situations, il faut envoyer sur le mail des situations, pour les messages sur le mail des messages. Je ne peux pas faire plus simple. Et c'est parti, on va commencer par la première conversation qu'il y a eu, donc qui est assez intense. Voilà, commençons par le début, ce sera mieux. Alors, tu peux me faire un auto, donc c'est Monsieur Toilette, S-A, Monsieur Toilette, S-A ajouté, voilà. Donc c'est un Monsieur Toilette, comme vous constaterez. Tu peux me faire un auto, oh my god, un fan de Madame Toilette XD, mais je te connais pas. En gros, ouais, c'est trop bien, mais je te connais pas, donc merci, au revoir. Et c'est pas grave. Ensuite, je sais pas, allez, s'il te plaît, ok. Donc tu as fait un autographe, mais tu connais Madame Toilette. C'est mon amour éternel. Alors Madame Toilette, va falloir qu'on ait une conversation là, parce que je ne savais pas que tu avais eu un copain entre temps, hein. Est-ce que je peux voir carrément un amour éternel? Ah, bah j'ai une fan de Madame Toilette en amie, si tu veux. Et j'aime bien qu'on m'a marqué. C'est vrai, c'est en gros, mais c'est vrai, j'ai pas menti. Je n'aime que la vraie. Bah alors je pourrais pas t'aider. Ah bah mince. Tu veux que je te transforme en caca? Non, en pipi, pas trop, en toilette, je sais pas. En fait, à chaque fois qu'elle envoie une demande, eh bien, elle change d'avis. Non, après, en fait, au début c'était non, après c'est pas trop, et après c'est je sais pas. Commence à la convaincre quand même, hein. Je dis rien. Ok. Et finalement, c'est ok. Change ton, je pense, le mot de passe. Carrément, ok. Je t'aime madametoilette.com tout attaché. Ok. Ah oui, carrément changer son mot de passe en ça. Ensuite, il répond demain tu seras le toilette que tu veux. Et je rigole, l'adresse n'existe pas. Donc en fait c'était l'adresse mail et pas le mot de passe qu'il fallait le changer. Enfin je suis allée un petit peu trop vite. Mais en gros il lui a demandé de changer son mail pour le mail qu'il a cité tout à l'heure. Mais il est pas, voilà, j'avais pas changé. Ouais non mais je pensais en voyant tes messages, je me suis dit ouais non elle aurait pas changé de toute manière. Non mais ça va, j'avais raison. Et du coup il a pas l'air si méchant que ça, puisqu'il avoue quand même que l'adresse n'existe pas. Donc c'est pas comme s'il l'avait créé pour vraiment. Si tu veux être un toilette, crée-toi un compte. De toute façon, j'avais pas changé l'adresse, ok. Je pensais qu'il voulait me pirater et que du coup, il disait n'importe quoi pour faire le mec gentil. Mais il est gentil, tout court. Et on arrive du coup au dernier screen qu'elle nous a envoyé dans son mail pour nous montrer le compte de la fan de Madame Toilette ici. Voilà, donc en même temps, ça lui fera une petite pub à la fan de Madame Toilette. Et j'irai en parler à Madame Toilette aussi, hein, parce que je dirais, il faut que tu regardes cette vidéo, Madame Toilette. Et maintenant, nouvelle conversation. Attends, mon frère va te parler. Alors, on n'a pas le début, je pense, de la conversation, mais voilà, bonjour, ça va. Bon, ça commence plutôt bien. Je donnais même carrément un petit autographe. On m'a déjà fait ce coup-là. Ah oui, du coup, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père va te parler. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Ensuite, t'arrêtes d'embêter ma soeur. Con, sale con, t'es moche, tu t'es pas vu avec ta grosse tête de con. Mais comment il insiste sur le con quand même, hein, trois fois, hein, dans chaque limite, dans chaque phrase, il le met, quoi. Faut qu'il arrête, faut qu'il aille prendre ses médicaments, qu'il aille se calmer, c'est pas possible. Ensuite, merci pour l'auto, mais ta soeur a piraté ma pote et elle veut le ravoir. Ah oui, c'est vrai, de quoi elle change, c'est en mode, enfin, il, elle, on sait pas trop, son frère, pas elle. Oui. Et ensuite... Attends, elle va voir, je vais la frapper. Oh merde! Il veut frapper sa sœur. What? Et elle est amoureuse de toi? Wow! Bah ma sœur, bah qui? Bah alors... Bah ma sœur, elle t'aime. Et bah tu diras que mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Attends, c'est quoi ton passe? Je fais des looks, je suis le frère de Kukra. Ah non, je suis pas niaise. Non mais c'est quoi? Non mais... Oh mon dieu.
Non mais faut le faire, hein, faut vraiment y avoir du culot hein, pour aller jusque là. Attends, c'est quoi ton pass? Je fais des loups, je suis le frère de Cole qui crache. Genre en mode, c'est parce que je suis son frère, je suis plus grand. Tu peux me donner ton mot de passe, tu peux me faire confiance, t'inquiète pas. Ma soeur elle pirate, mais je suis son frère, moi je pirate pas. Ah ouais, t'es son frère, va le dire à ta soeur, son pass. De quoi? Attends, ah ouais, t'es son frère, ben va le dire à ta soeur, son pass, what? T'es le plus moche des MSP, t'es grave moche avec la tête. Et là, du coup, elle rage parce qu'elle a pas réussi à avoir le mot de passe. Oh, merci. Peut-être que c'est pour ça que plein de filles me font des déclarations, mais mon cœur appartient déjà à ma belle filou. Oh, c'est mignon. Et c'est tout pour cette conversation. En tout cas, moi, je me tape des barres sur vos messages quand même. Une autre conversation, alors celle-là je l'ai vue, j'ai beaucoup rigolé, mais il faut vraiment qu'on en parle de ça, pour pas vous faire avoir de cette manière-là. Donc c'est parti, bonjour ma jolie, tu vas bien? Oui, ok. Ensuite, où habites-tu? Donc en gros, où t'habites? Et là, elle ne veut pas répondre, donc tout à fait bonne réaction, il ne faut pas répondre à ce genre de questions. Tu vas me dire, tu as quel âge? 6 ans, en faux, ou j'avais bien compris que c'était faux. Et ensuite... Ok, bon, tes parents ont une sorte de carte, non? Parce que là on parle de la carte, la fameuse carte bancaire. Oui, et ben prends-la. Et ben dis donc, faut vraiment être un sacré dégénéré quand même pour demander à une personne jeune, enfin du moins... elle n'est pas forcément jeune, mais elle s'est passée pour une personne jeune. Enfin bref, vous m'avez compris. Pour demander à quelqu'un de prendre une carte bancaire comme ça, à faire ça à une personne jeune, franchement, ça se fait pas. C'est vraiment pas cool. Et ensuite, maintenant, cherche et tu verras des numéros. Oui, donne-les-moi. Ok, et pourquoi? Et là, j'ai adoré la réponse. Parce que tu sauves des vies en faisant ça. Ils sauvent des vies en donnant la carte bancaire de tes parents. C'est terrible. Franchement, c'est terrible de te faire cette technique de manipulation. C'est ouf. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Je suis choquée. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes choquée ou pas. Moi, ça me choque quand même d'en arriver là. Eh bien, je découvre en même temps que vous les messages de cette personne qui m'a envoyé par mail. Eh bien, c'est parti, salut. J'ai vu que tu voulais des souhaits. Si tu veux, j'ai une astuce pour tout ce qui est diamant et Starcoin. Vas-y, dis, faut mettre un email. Donc là, je pense que déjà avec le premier screen, j'ai compris l'arnaque tout de suite. Bon, on va quand même voir. Mais ouais, là, le premier screen, je pense que ça m'a suffi pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Ouais, donc en gros, faut mettre un mail pour se faire hacker, pirater plutôt. Moonstar Planet hack, ok, Gmail, oui, on a compris, mais j'en ai déjà un. Il faut que tu mettes celui de MSP, un email. Et j'ai mis le petit clin d'œil en mode, fais-moi confiance, fais-toi arnaquer, vas-y, donne-moi ton compte, hein, c'est trop bien, tu verras. Ok, ça va demain, mais là j'en ai marre des no life. Je vais envoyer tous les screens à 15L et tu verras passer sur sa vidéo. Mais le seul truc que je comprends pas pourquoi tu fais à des gens, à tout le monde, les gens VIP ont payé et toi tu veux juste nous pirater, même les non VIP, je suppose. Voilà, les abonnés de 15L, ne vous faites pas voir en beauté comme ça. Et coucou YouTube 15L, je t'ai trop mon pseudo Erise. Voilà, donc franchement, ça se fait pas, c'est pas cool du tout. Ne vous faites pas arnaquer vraiment parce que ça, franchement, ne changez pas votre mail. Un mail ne doit pas être changé, c'est la sécurité du compte. Peu importe ce qu'on vous promet contre le changement d'un mail, ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun hack qui existe qui vous permet d'obtenir un VIP, des Starcoins, des diamants, quoi que ce soit. La tour Eiffel, la lune, la planète entière, vous ne recevrez rien du tout en changeant votre mail. Voilà, je vous le garantis à 100%. Donc ne changez pas votre email en pensant recevoir quelque chose en échange. Non, ça n'existe pas. Pour ces messages-là, j'ai coupé le début, mais pour vous resituer, en gros, ce sont deux personnes qui se sont parlé. Ils se sont dit qu'ils allaient chacune leur tour s'offrir un cadeau de la liste des souhaits.
Donc la personne qui m'a envoyé cet email a commencé à envoyer un cadeau à cette personne-là, mais l'autre personne en face a arrêté de répondre pendant un petit moment. Allô, ton tour, c'est ton tour, arnaque pas, s'il te plaît. Désolé, ça a bugué, ok, le souhait. C'est ton tour, désolé, ça coûte trop cher, j'ai pas assez d'argent, mais veux-tu me faire un look et je te donne quelque chose dedans? Donc là, elle a répondu, ok. Là, elle m'a laissé un message, allez vite, elle peut ouvrir son cochon tirier. Effectivement, moi, je trouve ça un petit peu nul de faire, oui, on s'échange des cadeaux, machin, etc. On s'offre les cadeaux plutôt. Je trouve ça un petit peu chelou dans le sens où elle a accepté de le faire, du coup elle devait avoir quand même un minimum d'argent pour accepter ça, parce qu'en gros tu vas pas dire oui je t'offre un cadeau, tu m'offres un cadeau alors que t'as pas de sous. Je sais pas, c'est comme si tu dis ouais je vous invite au resto, t'arrives au resto, ah mais j'ai pas de sous, vous pouvez payer pour moi quoi. Enfin ça c'est bizarre quoi, c'est très très bizarre. Et pour revenir à ça, ben, d'un côté je me dis autant s'acheter soi-même ses affaires que de se faire arnaquer en offrant à quelqu'un d'autre qui vous soit ne vous rendra pas de cadeau, soit vous en rendra un qui vaut vraiment pas le coup. Donc voilà. Mais on va continuer. On va continuer. Donc ensuite, je t'ai fait un look. Bon, je vais regarder le look. Ça va être les souliers. Ok, pourquoi pas le t-shirt. Ça vaut le prix contre le souhait. Ok, commence SVP. J'ai déjà fait avant. Alors là, ça me fait rigoler quand même parce que la personne, elle redemande. Ok, comment ça veut dire? En gros, redonne-moi un cadeau histoire que je te re-arnaque encore une fois. Quoi. Ils sont forts, hein, les gens sur MSP quand même. Ils sont très forts. Et là, tu te souviens pas? C'est à ton tour. Non, je me souviens pas. Regarde dans les cadeaux offerts. Tu verras que je t'ai fait un souhait. Donc, regarde mes messages d'avant. Dans eux d'avant, je vois rien et non plus de cadeaux de ta part. Elle a un problème de mémoire et de vue, cette arnaqueuse. Mais là, clairement, elle est très, 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 très remontée. Hein, parce que franchement, pour arnaquer les gens deux fois d'affilée, bah déjà, faudra avoir honte d'arnaquer une fois, mais en plus, avoir le culot de le faire une deuxième fois juste après, c'est moyen. C'est pas terrible. Ensuite... Arrête de mentir et donne-moi le cadeau, j'en ai marre. Des rares, ça pue le caviar, je me tape des barres, putain, mon camping-car. Et c'est toi, arrête de m'accuser, je n'ai rien à voir. J'attends. Eh ben, tu vas attendre longtemps. Allô, tu vas me donner mon cadeau, je te signale. Et dernier message, fais comme tu veux, moi je t'ai déjà signalé. Oh mon dieu, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Enfin bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que moi j'en peux plus. Oh, bon en plus il y a un petit Nexio qui est venu. Coucou Nexio. Bon oui. Bon, il y a le petit toutou qui est arrivé. Mais moi franchement je me tape vraiment des barres sur les messages que vous m'envoyez. J'espère que cette vidéo vous aura fait rigoler aussi. Je vous rappelle, pour m'envoyer les screens uniquement de messages, c'est sur messagemsper@gmail.com. Donc c'est au pluriel. Et sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Ciao ciao.